Bájalo. Bájalo.
Thank you.
José. Ah! Repos. Reposez. Sort. Garde à vous. Présentez. Ah! Adjudant Émilien Mougin, mort pour la France. Maréchal des logis Timothée d'Hernoncourt, mort pour la France. Caporal Bogus Pochilski, mort pour la France. Aux morts. Okay. Ah. Okay.
L'année 1918, l'une des plus meurtrières de la guerre mondiale. Mobilise sur tous les fronts, sur terre, dans les airs et sur mer, des sociétés épuisées. Les soldats de tous les continents se battent et meurent par milliers. Le 11 novembre, à 11h, résonnent le clairon et les cloches qui annoncent l'armistice. Un tournant majeur vers la paix. Dans leurs carnets et leurs correspondances, les femmes et les hommes, à l'arrière comme au front, témoignent de ce jour. Adjudant Roumiguière, soldat français du 243e régiment, 7 novembre 1918. Est-ce que je rêve ? Le bruit court avec persistance. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec l'Allemagne a été conclu ? Je suis tellement content que j'ai peine à croire que cette nouvelle soit vraie. Dès que je me rends compte de mon bonheur, je pense à mon frère et à ma sœur,
victimes l'un comme l'autre de la guerre. Mes yeux se brouillent. Vendredi 8 novembre. Hier, je croyais que la guerre n'était plus qu'un vieux cauchemar. Aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais des illusions. La lutte va continuer. On va brûler de la poudre et verser encore du sang. Le 11 novembre 1918. Plus que jamais, je suis convaincu que la guerre est enfin finie. Les armes sont déposées. On ne les reprendra pas. J'ai encore beaucoup de papier à noircir, mais... Fini le ronflement des marmites et le sifflement des balles. Fini. Testimony of a British soldier. Charles Neville, artillery officer. My darling parents, today has been perfectly wonderful. We got news of the armistice at 9:30 this morning. I got 10 minutes to sort out the detachment for Grand Parade in the Square of Mons. So I got everybody I could lay my hands on to scrub the mud off. The streets were packed with wildly cheering civilians, chucking flowers up and carry on only like a foreigner can. All the streets and the square was a blaze of color, mostly, of course, the Belgian colors, red, yellow, and black, Union Jacks, French flags, American flags, in fact, every conceivable flag of the Allies. Travailleur chinois de 23 ans, Ku Ching Chin, traducteur. Témoignage écrit depuis un dépôt de Rouen. Rouen, 教堂钟声, 工厂汽笛声, 以及场外欢呼声, 与歌唱声, 同时并作, 与被经问何故, 使之休战条约已签订, 战争从此可以终止矣，此何日也？给予永久不忘之1918年11月11日也。是日，各地工作、各地战士自11点起一律停止，于反义武善后乃至出外，寓意光当日，反神庆祝休战之盛况。待行至皆世间。 移神上神海，男女老幼，尊士神明，各色人种混在一起，互相握手，时或唱歌，时或欢呼，在望神欢呼歌唱之中，竟有哭泣者，此时喜极而泣之表现，激情不自禁之快乐，自非言语所可形容此种种。 狂慌之状也。 Thank you.
testimony of an American soldier, Captain Charles Normington, 127th Infantry, 32nd Division, November 11, 1918. In the parade were hundreds of thousands of soldiers from the US, England, Canada, France, Australia, Italy, and the colonies. Each soldier had his arms full of French girls, some crying, others laughing. Each girl had to kiss every soldier before she would let him pass. There is nowhere on earth I would rather be today than just where I am. I have had many an old French couple come up to me, crying like children, saying, "You grand Americans, you have done this for us." I only hope the soldiers who died for this cause are looking down upon the world today. The whole world owes this moment of real joy to the heroes who are not here to help enjoy it. Erik Maria Remarque, deutscher Soldat. Der Krieg ist zu Ende. In einer Stunde sollen wir abziehen. Wir brauchen nun nie wieder hierher. Wenn wir gehen, gehen wir für immer. Es ist ein sonderbarer Moment. Wir stehen beieinander und sehen nach vorn. Leichte Nebelschwaden liegen über dem Boden. Die Trichterlinien und Gräben sind deutlich erkennbar. Grau liegt die eintönige Landschaft vor uns. Das war eine furchtbare Welt und ein schweres Leben. Und jetzt bleibt es ohne weiteres zurück, wenn wir die Füße vorwärts setzen. Es versinkt Schritt für Schritt hinter uns. Und in einer Stunde ist es weg, als wäre es nie da gewesen. Wer kann das begreifen? Da stehen wir und sollten lachen und brüllen vor Vergnügen und haben doch ein flaues Gefühl im Magen. Témoignage d'une Française, Denise Brûleur, lettre adressée à son fiancé, Pierre Faure. Mon Pierre. Ardemment chérie. Au même instant où je vous écris, dans votre lointaine forêt d'Alsace, vous apprenez l'immense nouvelle. Ici, les cloches sonnent à toute volée. Je suis malade de bonheur. Je ne peux écrire. De joie, je sanglote désespérément. Jamais, jamais je ne pourrai vous dire l'émotion et le délirant enthousiasme de cette première journée d'armistice. Le bouleversement jusqu'au tréfonds de son être et cette pensée incroyable qu'aucun homme ne tombera plus, que l'étendue immense du front est silencieuse, rien que du silence. Grosses larmes, en songeant que tout est terminé. Blé oui, mianda pelo.
Le 7 novembre 1918, lorsque le caporal Clairon Pierre Cellier sonna le premier cessez-le-feu, vers 10h du matin, bien des hommes ne purent y croire, puis sortir lentement de leur position, pendant que de loin en loin, sur les lignes, les mêmes clairons répétaient le cessez-le-feu, puis faisait entendre les notes de la sonnerie aux morts, avant que les cloches ne répandent la nouvelle à la volée dans tout le pays. Le 11 novembre 1918, à 11h du matin, il y a 100 ans, jour pour jour, heure pour heure, à Paris comme dans toute la France, les clairons ont retenti et les cloches de toutes les églises ont sonné. C'était l'armistice. C'était la fin de 4 longues et terribles années de combats meurtriers. L'armistice, pourtant, n'était pas la paix. Et à l'Est, pendant plusieurs années, d'effroyables guerres se poursuivirent. Ici, ce même jour, les Français et leurs alliés ont célébré leur victoire. Ils s'étaient battus pour leur patrie et pour la liberté. Ils avaient consenti pour cela tous les sacrifices et toutes les souffrances. Ils avaient connu un enfer que nul ne peut se représenter. Nous devrions prendre un instant pour faire revenir à nous cet immense cortège de combattants où défilent des soldats de la métropole et de l'Empire, des légionnaires et des garibaldiens, avec des étrangers venus du monde entier parce que la France représentait pour eux tout ce qu'il y avait de beau dans le monde. Avec les ombres de Peugeot, premier tombé, et de Trébuchon, dernier mort pour la France 10 minutes avant l'armistice, voici l'instituteur Kléber Dupuis, défenseur de Douaumont, Apollinaire, Blaise Sandras, au régiment de marche de la Légion étrangère, les soldats des régiments basques, bretons ou marseillais, le capitaine de Gaulle, que personne alors ne connaissait, Julien Green, l'Américain, à la porte de son ambulance, Monterland et Giono, Charles Péguy et Alain Fournier, tombés dans les premières semaines, Joseph Kessel, venu de Ronneburg en Russie, et tous les autres,
qui sont les nôtres, auxquels plutôt nous appartenons, et dont on peut lire les noms sur chaque monument, des hauteurs solaires de la Corse aux vallées des Alpes, de la Sologne aux Vosges, de la pointe du Raz à la frontière espagnole. Oui, une seule France, rurale et urbaine, bourgeoise, aristocratique et populaire, de toutes les couleurs, où le curé et l'anticlérical ont souffert côte à côte et dont l'héroïsme et la douleur nous ont fait. Durant ces 4 années, l'Europe manqua de se suicider. L'humanité s'était enfoncée dans le labyrinthe hideux d'affrontements sans merci, dans un enfer qui engloutit tous les combattants, de quelque côté qu'ils soient, de quelque nationalité qu'ils soient. Dès le lendemain de l'armistice, commença le funèbre décompte des morts, des blessés, des mutilés, des disparus. Ici, en France, mais aussi dans chaque pays, les familles, pendant des mois, attendirent en vain le retour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un fiancé. Et parmi ces absents, il y eut aussi ces femmes admirables engagées auprès des combattants. 10 millions de morts, 6 millions de blessés et mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, des millions de victimes civiles, 1 milliard d'obus tirés sur le seul sol de France. Le monde découvrit l'ampleur de blessures que l'ardeur combattante avait occultées. Aux larmes des mourants succédèrent celles des survivants. Car sur ce sol de France, le monde entier était venu combattre. Des jeunes hommes de toutes les provinces et de l'outre-mer, des jeunes hommes venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, sont venus mourir loin de leur famille, dans des villages dont ils ne connaissaient pas même le nom. Les millions de témoins de toutes les nations racontèrent l'horreur des combats, la puanteur des tranchées, la désolation des champs de bataille, les cris des blessés dans la nuit, la destruction de campagnes florissantes où ne subsistait plus que la silhouette calcinée des arbres. Beaucoup de ceux qui sont rentrés avaient perdu leur jeunesse, leurs idéaux, leur goût de vivre. Beaucoup étaient défigurés, aveugles, amputés. Vainqueurs et vaincus furent alors plongés pour longtemps dans le même deuil. 1918, c'était il y a 100 ans. Cela semble loin. Et pourtant, c'était hier. J'ai arpenté les terres de France où se sont déroulés les combats les plus rudes. J'ai vu, dans ces campagnes de mon pays, la terre encore grise et toujours stérile des champs de bataille. J'ai vu les villages détruits, qui n'avaient plus d'habitants pour les reconstruire, et qui ne sont aujourd'hui encore que le témoignage, pierre sur pierre, de la folie des hommes. J'ai vu, sur nos monuments, la litanie des noms de Français côtoyant les noms des étrangers morts sous le soleil de France. J'ai vu le corps de nos soldats ensevelis sous une nature redevenue innocente, comme j'avais vu dans les fosses communes se mêler les ossements des soldats allemands et des soldats français, côte à côte, qui par un hiver glacial s'était entretué pour quelques mètres de terrain. Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées, ni sur les terres de France, ni sur celles d'Europe et du Moyen-Orient,
ni dans la mémoire des hommes partout dans le monde. Souvenons-nous, n'oublions pas, car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. Souvenons-nous, ne retranchons rien de ce qu'il y avait de pureté, d'idéal, de principe supérieur dans le patriotisme de nos aînés. Cette vision de la France comme nation généreuse, de la France comme projet, de la France porteuse de valeurs universelles, a été dans ses heures sombres exactement le contraire de l'égoïsme d'un peuple qui ne regarde que ses intérêts. Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importent les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. Souvenons-nous, nous autres Français, de ce que Clémenceau a proclamé le jour de la victoire, il y a 100 ans, jour pour jour. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avant qu'en un cœur sans pareil n'éclate la Marseillaise. Combattante du droit, combattante de la liberté, la France serait toujours et à jamais le soldat de l'idéal. Ce sont ces valeurs, ce sont ces vertus qui ont soutenu ce que nous honorons aujourd'hui, ceux qui se sont sacrifiés dans les combats où la nation et la démocratie les avaient engagés. Ce sont ces valeurs, ce sont ces vertus qui firent leur force parce qu'elles guidaient leur cœur. La leçon de la Grande Guerre ne peut être celle de la rancœur d'un peuple contre d'autres, pas plus que celle de l'oubli du passé. Elle est un enracinement qui oblige à penser à l'avenir et à penser à l'essentiel. Dès 1918, nos prédécesseurs ont tenté de bâtir la paix. Ils ont imaginé les premières coopérations internationales. Ils ont démantelé les empires, reconnu nombre de nations et redessiné les frontières. Ils ont même rêvé, alors, d'une Europe politique. Mais l'humiliation, l'esprit de revanche, la crise économique et morale ont nourri la montée des nationalismes et des totalitarismes. La guerre, de nouveau, 20 ans plus tard, est venue ravager les chemins de la paix. Ici, aujourd'hui, peuple du monde entier, sur cette dalle sacrée, sépulture de notre soldat inconnu, ce poilu anonyme, symbole de tous ceux qui meurent pour la patrie, voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs issus de son peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir. Celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières, d'un monde où la parole des hommes doit parler plus fort que le fracas des armes, où l'esprit de conciliation l'emporte sur la tentation du cynisme, où des instances et des forums permettent aux ennemis d'hier d'engager le dialogue et d'en faire le ciment de l'entente, le gage d'une harmonie enfin possible. Cela s'appelle, sur notre continent, l'amitié forgée entre l'Allemagne et la France et cette volonté de bâtir un socle d'ambition commune. Cela s'appelle l'Union européenne,
Une union librement consentie, jamais vue dans l'histoire, et nous délivrant de nos guerres civiles. Cela s'appelle l'Organisation des Nations Unies, garante d'un esprit de coopération pour défendre les biens communs d'un monde dont le destin est indissolublement lié et qui a tiré les leçons des échecs douloureux de la Société des Nations comme du traité de Versailles. C'est cette certitude que le pire n'est jamais sûr tant qu'existent des femmes et des hommes de bonne volonté. Soyons sans relâche, sans honte, sans crainte, ces femmes et ces hommes de bonne volonté. Je le sais, les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prônent un obscurantisme contagieux. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyons avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons, une fois de plus, ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous, ici, dirigeants politiques, nous devons en ce 11 novembre 2018 réaffirmer devant nos peuples notre véritable, notre immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations d'avant ont rêvé. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Ensemble, nous pouvons rompre avec la nouvelle trahison des clercs qui est à l'œuvre, celle qui alimente les contre-vérités, accepte les injustices qui minent nos peuples, nourrit les extrêmes et l'obscurantisme contemporain. Ensemble, nous pouvons faire surgir l'extraordinaire floraison des sciences, des arts, des échanges, de l'éducation, de la médecine que partout dans le monde je vois poindre. Car notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. Ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Ici, aujourd'hui, affrontons dignement le jugement de l'avenir. La France sait ce qu'elle doit à ses combattants et à tous les combattants venus du monde entier. Elle s'incline devant leur grandeur. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis elle a combattues. Elle se tient à côté d'elles. Nos pieds ne se détachent qu'en vain du sol qui contient les morts, écrivait Guillaume Apollinaire. Que sur les tombes où ils reposent fleurisse la certitude qu'un monde meilleur est possible si nous le voulons, si nous le décidons, si nous le construisons,
si nous l'exigeons de toute notre âme. En ce 11 novembre 2018, 100 ans après un massacre dont la cicatrice est encore visible sur la face du monde, je vous remercie pour ce rassemblement de la fraternité retrouvée du 11 novembre 1918. Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France.
malade ou quoi? C'est pas l'antenne. On en parle après. Au mort. Thank you.
Ukraine. Thank you.